Eh bien, salut à tous, salut à toutes. Cartman aujourd'hui présente des années. Attendez, on remonte. Ça nous fait 30 ans de machine à remonter le temps. Ouais, donc d'un jeu qui a été sorti en 64, 64 caoctets. Il s'appelle Pac-Man, que vous connaissez sûrement pas. Enfin, non. En fait, en ce moment, sur Xbox One, vous trouverez Pac-Man avec Dig Dug et Galaga pour seulement 3 petits euros. Pour les gens qui aiment le rétro gaming, je trouve que c'est correct. Bien sûr, il y en a d'autres de jeux qui datent de ces époques qu'on ne trouvera jamais sur Xbox, malheureusement, comme Phoenix. Et Galaxian et tout ça, mais avoir ça, bon bah Pac-Man on en a eu toutes les sortes sur Xbox, mais avoir ça c'est déjà pas mal. Alors on va faire une petite partie pour voir quoi ça ressemble. On me dirait si une Xbox One n'arrive pas à faire tourner Pac-Man, c'est grave. Alors let's go for Pac-Man. Miam 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 miam. Les fantômes. Le rouge il est rapide. Miam, un rouge. Ça devrait me donner un bonus speed. Ouais. Donc en fait vous verrez après il y a d'autres jeux quoi dans le pack. Payez pas que Pac-Man. Payez aussi Galaga et Dig Dug, qui est rétrocompatible sur 360. En fait, du coup, je l'ai trois fois. C'est débile, parce que je l'ai racheté sur Xbox One, alors qu'après, ils l'ont mis rétrocompatible, donc j'avais pas le racheté. Et puis, quand j'ai acheté cette collection pour avoir le Galaga, en fait, c'était celui qui m'intéressait le plus. Si je prenais Galaga tout seul, je payais 4 francs suisses, ce qui fait 3 francs, 3,50 € environ. Et si je prenais les trois, je payais le même prix. Donc autant prendre les trois et désinstaller ceux que j'ai à triple ou à double. Voilà, un labyrinthe. On applaudit bien fort. Maintenant, on va passer des cerises aux fraises, théoriquement. Ouais, bon, je vais pas vous gonfler avec un vieux let's play de vieux jeux auxquels vos grands-parents jouaient. On va faire exprès d'en perdre un déjà, et ça donnera un peu plus de challenge et de piquant. Bon, voilà, donc, bien mange celui-là aussi. Voilà, je voulais aller contre en haut. Toi, tu viens. Miam. Je veux te manger. Toi aussi. Oh, si je peux avoir les 4, c'est magnifique. J'ai les 4. Et j'ai un Pac-Man gratuit et un succès, mais c'est magnifique tout ça. Ah, oh, je suis débile. Oups. 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 Fallait pas vous mettre sur ma route. Je suis là. Je sais pas comment je vais le finir sans qu'il me finisse. Il y en a un qui fait demi-tour, c'est pas lui, c'est l'orange, je crois. Il y en a un qui vous fait toujours faux bond. Il faut bien connaître le mouvement des fantômes. Il y en a un qui, à chaque fois, il vient vers vous, vous faites demi-tour, mais c'est un leurre en fait. Il fait demi-tour lui aussi. Par contre, le rouge, c'est pas un leurre, c'est un emmerdeur. Yeah! Bon, sur Miss Pac-Man, on serait passé à autre chose là, sur un autre labyrinthe. Cette petite cinématique, lol. Ah oui, les cinématiques de l'époque, c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Bon, bah, c'est toujours le même labyrinthe, malheureusement. Oh là là. Il vient. Ah, il vient. Ah! En fait, c'est lui, c'est le bleu clair qui fait demi-tour, quoi, en fait, qui m'a bluffé là. J'ai perdu, voilà, 14 090 points. Voilà, donc c'était Pac-Man.